Alors bonjour à tous et bienvenue pour notre tout nouvel épisode de notre web-série Born to Bang. Alors aujourd'hui, on est en lac et on va essayer de capturer quelques beaux spécimens de carnassiers, notamment des beaux silures. On a entendu dire que sur ce lac, il y avait des silures de plus de 2 mètres, voire jusqu'à 2,50 mètres, donc on va pas aller chercher les records non plus. Et puis il y a aussi des très beaux brochets, il y a beaucoup de métrés qui ont été faits ces dernières années sur ce lac. Donc le lac, il est vraiment très très grand, avec des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Donc je sais pas trop comment on va chercher le poisson. Il y a du soleil aujourd'hui, donc il risque d'être sur les bords. Et puis sinon, en pleine eau, avec des sandras ou des chats de GT un peu plus gros, aux alentours de 16-18 cm pour les sandras, peut-être un petit peu plus pour les chats de GT. Et puis sur ce lac, on a vu qu'il y avait trois arrivées de rivière. Je pense qu'il risque d'avoir quelques belles perches, quelques chevennes aussi. Et puis on a une belle journée, on est en compagnie de nos pro staff de la D-Team Est qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc eux sont vraiment spécialisés dans la pêche des grands lacs comme le lac Léman. Donc on va beaucoup apprendre avec eux, je pense, aujourd'hui. Donc c'est parti. Petit tuto pour monter les sandras. Donc sandra nouveau coloris 2016, monté sur une tête football, tête pro football 15 grammes. On va, vu qu'on s'est décalé un petit peu des berges, ici il y a beaucoup plus de fond, on peut le voir. Donc on va essayer de chercher les silures vraiment sur les cassants, avec des leurres plus gros. Donc voici donc le sandra, comme je vous disais, le sandra 16 cm, monté sur une tête football 15 grammes. Donc voici comment je les monte. Sur les petits leurres, vous pouvez les monter comme ceci. Sur les gros leurres, il faut mieux piquer sur le côté. Donc vous faites une marque à l'endroit où va sortir l'hameçon, comme ceci. Sur les leurres de la lande, vous avez un petit trait en plein milieu du leurre. Donc vous mettez la marque dessus. Donc on voit que ça, c'est un leurre que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc vous piquez votre leurre par la tête, en plein milieu. Vous faites glisser tout doucement en remontant le leurre. Voilà. Et vous le faites ressortir sur le dessus. Petite astuce pour les têtes plombées pro avec ressort. Pour bien le fixer, forcez pas comme des brutes, vous poussez trois fois. Une fois, deux fois et trois fois. Et en général, elle est bloquée. Voilà, donc notre sandra est prêt, en espérant qu'on capture un beau sealer avec. Ouais, c'est un broc. Voilà. Voilà. Il est revenu, il a reçu. Attends, décroche-le. J'ai cru que c'était bon. Franchement, j'en sais rien. J'ai vu un beau remous, j'ai lancé dessus. Et c'était un broc. Et c'était un beau broc. Le sandra, il est bien tenu. Hein. Ouais, le sandra, il est pas trop défoncé, ça va. Oui, un peu quand même. Il
bien réagi. Je sais ce que je mets.
un beau petit silure capturé au Swatchad à la descente. Il est arrivé, il y avait un beau petit banc de perche, j'en ai décroché une juste avant. Et puis voilà. Allez, on va le relâcher. Bon bien voilà, nous voici au terme de notre journée de pêche du carnassier, donc du silure, cendre, perche et brochet au lac de Tôle, au centre nautique de Tôle. Et je suis en compagnie de Vincent, qui est le président de l'APPMA de Tôle-Ocana. Donc voilà, Vincent, présente-toi un petit peu, savoir ce que l'APPMA fait, un petit peu aussi pourquoi ce lac de Tôle est spécifique à la Corse, notamment pour la pêche des carnassiers. D'accord. Bon, ici en fait là, nous sommes sur le plan d'eau du barrage de Tôle, hein, qui est le barrage qui a été construit donc, un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, hein, dans les années 50 et 60. C'est la plus grosse retenue d'eau en Corse, donc il y a quand même 115 hectares. Et donc nous, la PPMA, nous gérons donc, au niveau de la pêche ce plan d'eau et aussi plus de 40 km de berge. Essentiellement en Corse, quasiment tous les cours d'eau sont en première catégorie, à l'exception justement du barrage ici, qui est en deuxième catégorie. On peut donc pêcher toute l'année, hein, dans les limites bien sûr de la réglementation, hein, parce que la pêche est ouverte toute l'année, ce qui ne signifie pas que c'est ouvert toutes les espèces toute l'année. Donc ici on a silure, brochet, cendre. Ce sont bien sûr des poissons qui ont été ajoutés parce que la logie est avec de la truite. Hein. Donc ça permet de diversifier l'activité et finalement ça apporte un plus donc, pour notre APPMA. Donc bah, écoutez, j'espère que ce numéro vous a plu. Merci à vous de nous avoir accueillis sur ce plan d'eau. Et puis ben, voilà, on espère que ces images vous ont plu. On espère aussi que ben, voilà, la Corse, c'est pas que la pêche en mer et la pêche à la truite. Il y a aussi d'autres types de pêche. Et voilà, si vous avez l'occasion, essayez de venir sur Tôle. Et puis voilà, passez une bonne journée et pouvoir pêcher quelques très beaux carnassiers que vous avez vus. Voilà. Donc Tôle, en fait, nous sommes dans la vallée du Prunel, hein, donc à environ 35 km d'Ajaccio. Voilà, c'est très facile d'accès. Voilà. Bon, merci beaucoup. Allez, à plaisir, très bientôt. Alors, hein. Un petit mot ? Ouais, super journée au lac. Voilà, on s'est bien amusé, bien rigolé. Le soleil était là. Maintenant, il faudra tester l'eau salée aussi. On verra. Et un très beau lac, quoi. Très beau lac Corse. Des gros brochets ? Ah ouais, énorme. Des poutres. Des poutres. On a mis de la grosse bûchette. La grosse bûchette, ouais.